Et salut tout le monde, c'est Redkov, pour ceux qui me connaissent et pour ceux qui ne connaissent pas. Cette fois-ci on est là pour une petite vidéo de rien du tout, hein. C'est une vidéo consacrée à la nouvelle, à la 7.3.5 qui met en début, on va dire qui met en avance les raisons pour lesquelles on va voir Battle for Azeroth. Alors j'en profite pour ouvrir mon coffre. C'est meilleur. Bof, mais bon, on va faire avec. C'est bien dit, et bon. On va profiter pour faire ça, même si je sais que dans un petit bout de temps ça va plus me servir. Lequel je vais remplacer? Je vais enlever celui qui me donne de la maîtrise. Parce que la maîtrise, je m'en fous. C'est lequel? C'est ça. Un peu trop, ça me fait passer le level 950 et j'irai la vendre. Alors on a ah merde, j'ai plus les trucs, c'est pas normal. Bon, j'avais, je crois c'était Nathanos qui me disait de venir sur Ogrimmar pour une bonne raison. Le chef de guerre a demandé que vous reveniez à Ogrimmar dès que possible. Il y a un problème urgent qui requiert votre attention. Je vous ferai part de votre arrivée. Vous trouverez non loin l'entrée de Fort Grommage. La Dame Noire a des projets pour vous. Personnellement, je la ferai pas attendre, moi non plus. Généralement, c'est mauvais quand on a la fameuse Dame Noire qui est là en mode salut. Donc, on va en profiter pour découvrir un peu le pré-patch quand même. Genre, pas le pré-patch, la 7.3.5, la pré-patch n'est toujours pas. Pour moi, la pré-patch, vraiment, je vois vraiment que l'arbre Teldrassil qui brûle. Alors attention, spoiler, pour ceux qui ne voulaient pas se faire spoiler, même si je pense que c'est un peu trop tard quand même. Alors, vous allez voir les chargements les plus longs, j'espère qu'ils vont modifier ça, parce que... Oh, le... Non, là, quand je dépasse cette petite barre, ça va être... Sauf s'il a pas envie de me faire ce coup-là. Voilà, c'était le. Donc ça, on va en profiter pour voir ce qu'il nous donne, lui, cette fois-ci. Besoin d'aide? Allez pour dans la chasse aux Pokémon. Ça, j'ai hôtel des ventes. D'accord, ok, je récupère tout ça. C'est les trucs qu'ils vendent jamais. Merci à des gens. Tout la vie vu plus pulvéreux. En plus on sera au Grimard, gérer mon HDV bien plus tard. Alors sur la 7.3.5, qu'est-ce qui s'est passé? De premièrement, on a toutes les zones qui sont remises à notre niveau. Et après voilà, vous êtes quand vous voyez genre des quêtes où ouais il faut être à 3 pour la faire, vous inquiétez pas, hein, vous faites ça ou le truc. Juste ça aura un peu plus de vie que vous pèterez des culs. Après sinon, après j'espère qu'au niveau aggro ça restera toujours le même. Quand genre par exemple moi des fois j'ai envie d'aller faire de l'archéologie, j'espère que voilà ça va pas me casser les couilles avec des mobs qui aggro de tout part. On a quoi, on a nouveau truc pour le duard, par exemple vaincre tous les boss du duard. Et normalement quand vous allez dans le donjon il reste le Lich King. Voilà, vous avez là maintenant vous avez le droit à deux trucs, le proto-drake rouillé et le bardé de fer. Donc enfin je pourrais faire les un air de fer bien cuit s'il vous plaît, parce que oh là là c'était relou ça. Cassez le morceau. Oula, l'avenir là tout à l'heure pourrait dépendre de ce que je vous ai annoncé. Plutôt les dirigeants se sont opposés à notre victoire contre la Légion Adam, alors que les autres faisaient Galawix a demandé à ce que Adam Noir lui accorde une audience privée. Il aurait semble-t-il découvert une mystérieuse substance en situs, un minerai magique hors du commun. Je m'en donne. Oh putain. Pour la Dame Noire. Oula, on va avoir une petite cinématique. Ah. Chef de guerre, j'aimerais prononcer quelques mots. C'est autant la douleur que la fierté qui nous rassemble en ce jour. La douleur d'avoir perdu tant de braves héros de la Horde,
face à un ennemi effroyable. Et la fierté d'avoir réussi, malgré tout, à vaincre la Légion. Oui. Après les blessures, vient la guérison. Ouais. Après la peine, viennent les réjouissances pour l'ordre. Pour l'ordre. Chef de guerre, vous auriez un instant. Nul doute que Gallywix cherche encore à promouvoir l'un de ses stratagèmes lucratifs. Les rats rappliquent à la moindre occasion. Et se font dévorer s'ils ne prennent pas garde. Qu'est-ce que le rat manigance ? En tout cas, il ne cesse d'envoyer des gobelins en Silitus. Rien de bon n'est jamais sorti de Silitus. Ceci va tout bouleverser. N'est-ce pas ? Et l'Alliance ne sait rien de ceci. Rassurez-vous, chef de guerre, je suis déjà sur le coup. Par là, c'est tout. Si l'Alliance sait quelque chose, il n'y a que Jaina qui peut le faire. Alors Gallywix, quand même Gallywix, en fait Gallywix c'est le gobelin que tu vois jamais, mais dès qu'il y a une occasion en or, il y a un envie. Ça va tuer plein les manœuvres d'extraction et d'envol d'intérêt. Gallywix n'a plus l'air d'enchanté de votre nomination, mais personne ne tient tête à Sylvanas. Rendez-vous. Eh ben on va aller en Silitus. Gallywix est actif en Silitus. Allez-y immédiatement. Et si des rats de l'Alliance... Ben oui, on va exterminer l'Alliance, vous savez quoi faire. Bon voilà, même si bon, on est tous... Alors, pour... Ah oui, bah voilà, maintenant j'ai les quêtes, Crash Tomba. Oh, je peux voir toutes les quêtes que j'ai pas faites, c'est génial ça. Attends, par exemple, si je vais là, voilà. Ah, mais c'est génial. Non, ça, moi, il fallait que j'aille là pour faire les quêtes. Oh putain, ah oui. Mais ça c'est cool, maintenant on va pouvoir enfin faire les vraies quêtes. Ah, c'est sympa ça, parce que oh, y a des moments... Ouais, bon, alors laisser de l'emmer, j'espère qu'ils l'ont modifié, hein, parce que putain... Là, sinon, ça va vraiment barder. Hein, parce que putain, moi qui veux faire le truc, dur à avaler... Ah, enfin, je vois enfin finir toutes les quêtes à 100% bien comme il faut. Kaistraza... Bon, après, il faut qu'ils fassent gaffe à pas mettre les quêtes journalières comme ils ont dit. Donc on va aller en Silitus. Silitus, c'est donc là-bas. Donc on va prendre... Ah bon, on va aller en Uldum, hein, ça ira plus vite. Donc moi je suis en serveur PVP, donc on va avoir beaucoup de gars de l'Alliance. Donc j'espère qu'on va essayer quand même pas trop de se faire péter le cul, hein, même si j'ai confiance à mon perso. Mais généralement, les gars de l'Alliance, vu que des fois ils supportent pas trop les victoires en BG, bah, généralement ils aiment bien péter les culs, ils aiment bien attaquer les gens... sans aucune forme de pitié à la sauvage, mais après serveur PVP c'est fait pour ça. Et des fois il y a des moments serveur PVP, les gens n'ont pas trop envie d'aller baston. En tout cas pour les gens, j'ai pas trop vu d'alliance qui voulait aller m'attaquer. À mon goût. C'est témoin de la blessure. Mais c'est vrai que... Après, donc en ce moment, bonjour. Parlons un peu de ce qui va passer pour Battle for Azeroth. Alors on sait... Bon, je suis désolé, mais Zone ne sont pas... 90... Il y a un problème là. Pour l'instant, le truc c'est que... Voilà, en Silitus, pour l'instant... Non, qu'est-ce que je dis? Pour Battle for Azeroth, on va avoir un combat entre la Horde et l'Alliance. Hein. Un nouveau
conflit. Alors ça, c'est encore le type de conflit, voilà, pour éviter qu'on avance trop dans le lore. Parce que quand même, on a pété la Légion. Hein. À part les seigneurs du vide et dieux très anciens, il n'y a plus personne d'autre, hein, si on peut dire ça. Et donc là, on va affronter plein de nouvelles personnes. Donc là, on va affronter tel mob. Bon, je plains quand même l'Alliance d'aller affronter les cochons. Quoi. Genre, ça, c'est un cochon. Le truc, ça, c'était dans Vanilla, les cochons. Quoi. Mais bon, au moins... Quand j'avais vu la BlizzCon, ils avaient bien rigolé. Et donc, après, voilà, quand ils disent, ouais, vous avez affronté Acharé, ça se voit qu'il y a encore un coup foiré de Enzot. Hein. Enzot, et ses coups foirés, genre, on connaît. Hein. Donc, voilà, ça fait qu'on a un village dessus. De quoi avez-vous besoin? C'est qu'il nous faut un travail d'orc et un gobelin, gagner son kata, sert peut-être jamais, mais sinon avoir des lignes. Pris des liens en flagrant net de fainéantise, y'a pas de place dans la pour étirer au flanc. Allez, beauté les fesses. Allez, la fameuse quête, on va beauté des culs. Allez, salut. Allez, 10 agents du CI7, encore une fois, putain. Je déteste le CI7, c'est infâme. Donc là on voit on a de nouveaux mobs. Et donc ouais, alors le truc moi qui pense que Battle for Azeroth, voilà, c'est à cause du retour de la de Enzoth et tout ça, c'est tout simplement pour le cas où à un moment sur je sais plus c'était trop sur quelle extension c'était sur, oui bah les gens à un moment genre ils voulaient creuser, mais ils disaient plus ils vont creuser plus ils vont le regretter. Donc j'imagine qu'en fait quand ils veulent creuser d'un terre, ils vont rencontrer le dieu très ancien. Et après voilà, ça le dieu très ancien c'est à cause de... C'est parce que Sargeras, le but de Sargeras à la base c'est de détruire tous les dieux très anciens et tout. Hein. N'oublie pas sa fameuse quête. Mais pour cela il doit aller... Et pour cela il faut tuer les dieux très anciens. À la base il a été envoyé... Sargeras a été envoyé pour contrer les seigneurs. Ouais, ça va, en fait on s'attaque pas. Donc voilà, ouais, il continue sa quête. Ah. Alors, j'aime bien, c'est que eux, l'Alliance doit buter les gobelins. Ils sont... Alors, pour les gobelins, voilà, ils sont visibles. Hein. Alors que nous, bah non, pas besoin. Nous, on, juste, nous, on doit les chercher. Genre. Attends, je vais quand même attaquer cette armée là. Je propose pas trop de stuff de mineur d'artisanat. Alors là ça va être galère pour aller trouver des membres du CI7. Genre comme on s'est tous rués, on a fait un agent du CI7. Et donc voilà, son but je pense est creux, et quand tu vois qu'il a planté l'épée tout ça dans la terre et que t'as de l'azurite qui sort, c'est pas bon. Et comme le dit Sorcroc, tout ce qui vient de Silithus, c'est mauvais, très mauvais. Donc alors on va quand même voler un peu pour te faire la cour dure d'être. D'abord, choisir une cible. Sympa. Donc voilà, ça fait que c'est vrai que Galawiz qui d'un coup, ouais, il y a de l'azurite. Bon, après, il le fait ça pour en faire du profit. Bon, après, aussi, voilà. Alors, l'Alliance, j'ai pas vu la cinématique de l'Alliance, je sais pas comment ça va se passer. Faudrait que vous me disiez dans les commentaires comment ça se passe. Genre, comment... Alors, nous, on voit qu'il y a Jaina, hein, que celle qui a des plantes. Jaina qui revient. Peu de temps que Jaina qui revient en mode je vous ai lâché pour Légion là. J'aime bien réaction. Par contre j'aime bien 10 agents, mais bon avec tous les gens qui se ruent. Ça fait vraiment chier qu'il est invisible.
démons doivent aller chercher l'alliance où ils sont. Ok. Un avantage chez les alliés. Allez, on en fait. Voilà, painkiller, genre, le guerrier il a. Il a quand même poutré, je suis quand même venu. Le mec. Ok, le mec il fait ses tous. Ah, il y en a un là-bas. On l'a vu. Ici, suis-moi, mage. Voilà. Ah, c'est pas mal le truc pour. Ah, ici, on l'a vu, on l'a vu. Crève pourriture de la rame. Merci, c'est gentil. Après, je vais leur répondre, je vais leur faire. Bon, les gars, c'est juste une. C'est... Non. J'ai raté l'agent du CSS. Mais bon, j'ai mis un coup dans ma soeur. Hey, c'est juste une mage. Hein. Donc voilà. Bon bah voilà, on a botté le cul d'un à deux, on est par le passage. Bon en même temps, les deux qui voulaient. Non, je protégerai l'agent du CI7. Non, 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 tu te calmes. Donc voilà, on arrive, on rend les quêtes. Alors moi je prends bien le ballon de la horde, mais je vais changer, allez. A chaque fois que je repars, je change. On va prendre le drake du crépuscule parce que j'ai eu le HF il y a pas longtemps. Recherche dans le désert. Bien que la ruche n'ait pas résisté au désert, je... sous le retour des cities. Oh putain, si ça, j'allais se me dire une sonne bonne photo, mais ça me dit bien, ça dépend. Et d'ailleurs, juste que si les survivants soient disséqués et étudiés. Ah, c'était envahi par les membres du marteau. Oh putain. Pour s'enquiller, mais les ténèbres seraient toujours dans l'ombre. T'es tué par ces gens au cours de la taille. Ah, en même temps, ils se prennent ça dans la gueule. En plus, en plein milieu, c'est là où le marteau du crépuscule était en plein milieu. Je pense que... ils ont pris cher, mais quelques-uns ont survécu. Désolé, a rendu leur dirigeant Michel. Marche vite, beaucoup plus hardi. C'est... En fait, il faut les tuer. Alors là, il faut rendre une quête. J'aimais pas. Parler à Pixie. Ça roule ? Ok, la source de puissance. Récupérer 10 cerveaux de City. Larve par dizaine. J'aime bien dire, ouais, survivre au changement de l'environnement et capable de s'adapter. C'est des cafards. Hein. Juste des cafards. Et donc, oh putain, ah oui. Alors, le 4... pourquoi j'ai une question? C'est quoi? Ah oui, la tenue de parade. J'étais en train de faire les quêtes. C'est vrai que... bah, l'épée de Sargeras qui se plante bien comme il faut. Bon, après, c'était la tentative désespérée de Sargeras. Allez. Bien, je t'aide à finir. Et ouais, putain de silitique. Je suis hors de portée. Il n'est pas une cible. Je vais pas ramasser. Pas ramasser. Je dois d'abord choisir une cible. Ça vaut de site. Je vois pas. Ah si. Ok, encore un A2 qui se fait péter. Hein. Bah là. Ça sent le rare. Ça. Oh le rare. Je sais pas, moi je vois un rare, je fonce dessus quoi. Ça pour quelques ressources de 2 mètres, bon ça nous donne 2 cerveaux. Je suis trop loin. Ah d'accord, en fait il faut pas les tuer. Ah oui.
mais après voilà ça. Après voilà, là les silitites qu'on voit, c'est silitites de merde, hein. C'est pas sérieux, hein, je dis. C'est mort, je... Ah, ça faut l'un les gars, pensez à éviter de faire comme c'est les petits. Là c'est juste des petits silitines, on va dire, pas intelligents. Oh là là, ça c'est relou. Bah. Bordel. Je ne comprenais pas trop pourquoi ça voulait pas. Allez, vite. Ah merci, c'est lui qui... On va s'éloigner. Non. Lui, je crois, il a pas compris la différence entre. Et voilà, on va se barrer. Et la tête de Michel. Michel, c'est vraiment un nom de merde. Michel, oui. Michel. Je l'appelais Michel parce que Michel. Oh là. Voilà. Mais c'est vrai que. Putain, ils ont pris quand même assez cher, hein, les seigneurs. Le marteau du crépuscule. Ah, j'ai une quête. Apprenti du crépuscule. Ah ok, ils se sont installés autre part, mais en mode. Ils ont pris cher quand même. C'est ceux qui. C'est moi, Angus Brass Tempête. Les seuls toilettes de tous ici. La tristesse quoi, le mec. Un peu dit, je... Ah d'accord, le mec était parti aller chier. Oh putain. Oh putain le cul. Voilà. Nous, on aide les gens qui ont envie de se torcher. Ah, par contre, ils avaient pas de... Ça doit être eux. Je vois que les sauts. Et ils ont du... C'est vraiment des petites quêtes bien sympathiques. J'ai bien aimé la cinématique, genre... vraiment, Bane, il ferait un très très bon chef. Bon, voilà, maintenant, en ce moment, c'est ça. Après, si maintenant, je dis pas non, je très très bien. Après, au moins, là, au moment où il fallait lire le chef de guerre, Bane était, on va dire, pas qu'un enfant, mais... C'était, voilà, c'était pas... Il avait pas encore tout éteint dans le chef de guerre. Alors, s'il vous plaît, les super fans de Bane. Putain, mais ils ont pas de PQ à proposer, c'est affolant. Et voilà, j'ai du PQ pour monsieur. Tenez, mon PQ, prenez-le. Il est quelque part dans ce monde. Ça fera l'affaire. Ah, qu'une pluie pour une chose. Juste enflammer une allée pour m'occuper des dimensions. Ah ouais. Feu. Angus Brass Tempête. Et les cons aussi. Tu sais, ce CP c'est pire. Je suis en feu. Mais tu vas pas comme ça. Alors je vais voir s'il a pas une quête à proposer avant. Non. Sourcils ok, barbe ok, pantalon merde. Le P explosif. Ah bon bah. D'accord, c'est tout. Genre... Ah vous voyez, faut que je me trouve un pantalon. Ah oui, sans... Quoi oh. Dames, non. Bon allez, aïe, ah.
Oh. Bon, moi je m'en vais. Hein. A plus, Brasse Tempête. Je sais même pas à quel moment on le rencontre, mais c'est pas grave. Ah là là, les nains nous font bien mal. C'est vrai que l'épée de Sargas bien vénère. Mais là je pense, surtout moi ce qui me fait mal c'est que Sargeras, il utilise les sabbats de... les sabbats de Shivara, je crois, c'est ça le sabbat de Shivara. Le sabbat des Shivara pour corrompre les titans. Alors bien sûr le sabbat est plus faible que Sargeras, ça serait logique. Mais genre et là t'as Okalem, t'as Sargeras, ouais, qui retourne auprès du Panthéon et qui va affronter Gidan. Faites gaffe dehors. Ok. Octa. C'est du même fait sur une pilar, vous même vos efforts. Kedia, c'est peut-être pendant il semble vouloir vous parler. Allez voir ce qu'il est, plus il sera, mieux je me porte. Ah, ça c'est vrai que la confiance de Khadgar, elle est pas joue. Ah, mon Khadgar. Le destin de notre monde est en jeu. Je présume qu'Anna n'a pas insisté pour le retenir. Ça va infliquer une blessure à notre monde, une balle qui ne guérira pas de sitôt, mais les plaies ouvertes par l'un devaient aussi être pensées. Trop de vies ont été perdues dans la lutte. Pour sauver Azoth, les destroyants refusent de voir en perdre d'autres sans rien faire. J'insère vous demande, vous pouvez apporter celle-là un magnifique barbe de bon, il est en situ sous chat moins soigné à plaie. D'accord. Vous êtes notre dernier. Oui, non, mais c'est bon, la légion. Sur Argus semble presque dérisoire. Ah, mais... En portant son coup final, Sargeras a fait bien plus que transpercer le cœur de notre monde. Je sens tellement en fait, genre ce qu'il vient de dire, c'est en fait Sargeras, ce qu'il vient de faire, c'est qu'il... Voilà, c'est que... moi après, voilà, je suis sur la théorie des dieux très anciens, c'est voilà, en plantant l'épée, comme le... je crois que c'était Katia qui dit, il a dit, voilà, il l'a trop creusé, donc... c'est le retour des dieux très anciens. Alors, Magni. Ces pierres ont une histoire. Il est bon de voir un visage familier en ces heures sombres. Depuis notre retour d'Argus, les cris d'Azeroth m'accablent. Il s'est pris comme une épée qui fait la taille de la planète. Je ne sais pas comment y remédier. Je crois que personne ne le sait. Mais nous devons persévérer. L'heure est grave. Si nous ne trouvons pas un moyen de soigner Azeroth, plus rien ne va. J'ai la pluie qui haute et l'essence vitale d'Azeroth. La blessure doit être non exploitée. Nous ne pouvons pas nos oeufs laisser moins notre seul foyer. Attache de la peur à votre jugement, vous devez entendre. C'est le seul. Délivrez le message. Pour Azeroth. D'accord. Et allez, faut aller là-bas. Genre quand tu dis. C'est vrai que. Voilà, si c'est vraiment l'essence vitale. Et surtout si c'est l'essence vitale, genre moi je vois très bien les dieux très anciens en profiter. Hein, à base ils sont là, c'est pour détruire Azeroth. Bon, les dieux très anciens décidé de créer l'Empire Noir. C'est ce que je n'ai pas déconné. Bon, ils ont créé l'Empire Noir. Bon, moi je vois bien comme prochaine extension de Battle for Azeroth, le retour de l'Empire Noir. Alors, qu'est-ce qu'il veut me dire? Je vois ce que c'est, mais ça juste jusqu'à nous. Cherchez la victoire. Allez, je vais aller dans l'honneur d'Arcanine. Genre ça se finit comme ça, on va pas voir notre cher Sylvanas. Hal. Je sais pas, je vais faire un... Je vais faire un tour à Ogrimmar, donc... Y'a pas un passage genre un TP? Mécanicien. Cher. Bonjour, t'as en quoi puis-je vous aider? Force et honneur. Allez. Bon, on va aller alors c'est Dalaran hein, qu'on va prendre. Et on va aller voir et après bah voilà, on va se finir, ça va faire à peu près 30 minutes. Voilà, j'essaie d'être rapide hein, et de faire bien correctement. En tout cas vous voyez la cinématique. Que j'essaierai peut-être de mettre juste la partie cinématique en plus pour ceux qui veulent.
Enfin, j'essaie de pas trop parler quand même pour juste avec le pour la horde, hein, voilà, moi j'ai décidé de rejoindre les camps de la horde. Parce que j'aime bien pas la façon de penser, mais j'aime bien. Après, voilà. Après on va voir les putains d'extrémistes alliances qui vont être là en mode ouais mais tous ceux qui sont là horde ils sont bêtes. Pour voir si j'ai pas un truc parce que bon, voilà si ça se finit comme ça. Bon après c'est sûr voilà c'est pas le truc de. Je veux dire c'est pas Battle for Zora, ils vont pas nous faire une grosse suite de quêtes. Donc on va aller voir, c'est là-bas vu qu'ils ont enlevé enfin tout le lac. Oh là là, ça fait du bien de voir ça. Ah non vraiment ça fait du bien parce qu'avant on avait un gros lac dégueulasse, ils ont bien tout rebouché. Ok, on a la matriarche. Je n'ai pas le temps pour les politesses. Dame Liadrine qui elle. Ouais mais il n'y a plus le régicier de le seigneur régent. C'est bizarre. Chef de guerre de rallier les sacres nuits à notre cause. Ah bah oui, mais c'est ce qui va se passer. Rokan. Restez sur vos gardes. L'esprit du vieux Vol'jin encore fort dans cette cité, votre travail honore sa mémoire. Ah c'est. Bien, j'ai été de mon fort, mieux vaut que vous en chargiez. Merci. Ah oh, par contre, oh là là, arrête, me parler. Dans l'honneur. Oh là là, ce skin quoi. C'est ça que je veux pour mon perso, même si je suis DK. Bon, après DK, ouais, j'ai des armures qui pètent quand même, mais il faudrait juste que je change le casque. Mais oh là là, sort croc. Bane. Je suis Bane. Quoi, grand les chef des excellents alliés, bah de toute façon je suis là. Que voulez-vous? Champion, eh bien c'est l'élu seigneur de la mort, vous devez être en train de sceller votre victoire sur la Légion Parouine. Le dernier vous a confié de trouver de nouveaux alliés de la Horde. Pour votre propre bien, espérons qu'elle vous a pas fait confiance à toi. Sylvanas, nous avons une très bonne relation à ce que je sache. Désolé, les places de domestiques sont déjà prises. Tu es assez décevant. Comment? Vous n'êtes pas là pour ça? Etri. Oui. Ne font que ça. Que me reste à foutre. Et j'ai vu. Ah, J-Pad de. Bienvenue. Il médite au KLM, genre. Mais ça fait question. Que se passe-t-il là-dedans dans le. Piki. Ah bah ok, bon bah le Etrig et le seigneur Sarkroc ils sont là deux fois. Sans étonnerre. Ceux qui sont. Osez-vous défier le chef de guerre, oserez-vous faire meuf. Ah ouais, il y a une fois j'étais venu, genre il se faisait attaquer. Par contre là il est plus petit. Et il était venu et genre il s'est fait attaquer par des A2. Je suis arrivé, ils étaient 6 A2, je les ai claqués hein, les A2. J'ai fait aller vous dégager. Et ils ont insisté pour venir avec 20 HP de quoi. 1% d'HP. Donc bah voilà, on va retourner là-bas et on va se terminer là-dessus, hein, près de notre dame. Parce que Nathanos là, est le champion de la Red Banshee, mais nous on est le champion de la Horde. Voilà, la différence. Oui bah oui, c'est ce que je dis, sans croc, bien grandi et bien rétréci là. Voilà, je me prie auprès de Dame Simona. Ouais, je vais prendre le nom, je vais faire lui. Et voilà, on va se terminer là-dessus. Bonjour à toi, vengeur Molag Bal. Oh, Molag Bal, ça fait penser à Sky. Avec une jolie transmoise que je vais respecter. Bon, moi ça ferait vachement très gay, mais sinon pour lui ça va. Deux. Ah, c'est juste une mise à jour. Et pas la pré-patch. Donc voilà, on va se terminer là-dessus, voilà, et sur ce, à la prochaine pour peut-être d'autres vidéos sur World of Warcraft. Sur ce, bye bye, merci encore.